Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Et on s'informe avec vous, Walid Salman. Bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition sommaire de la matinale de ce mardi 27 février. Soutien aux causes justes, à leur tête les causes palestiniennes et sahraouis, une constante et un credo de l'Algérie rappelé par le chef d'état-major de l'AMP en visite de travail dans la 6e région militaire à Tamanrasset. J-2 avant la tenue du 7e forum des pays producteurs et exportateurs de gaz à Alger, événement mondial. Les pays participants représentent plus de 2/3 de la production mondiale de gaz, événement qui intervient dans un contexte géopolitique complexe. Arras à l'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit, la résistance toujours aussi farouche. Les brigades d'Al-Qassam visent les soldats israéliens à Khan Younes en Palestine, où le président Abbas a accepté la démission du gouvernement Shtayaha. Les Sahraouis, un peuple en quête de son indépendance, célèbrent aujourd'hui le 48e anniversaire de la proclamation de la RAS, la République arabe sahraoui démocratique, une célébration dans un contexte de reprise du combat armé. Et en prévision du mois de Ramadan, la baisse de 10% pour certains produits alimentaires, l'électroménager également concerné, annonce faite par le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni. Et puis un ciel généreux, pluie, grêle et vent sur plusieurs régions du pays. Un BMS valide jusqu'à jeudi. L'Algérie, un soutien indéfectible aux causes justes, aux droits et à la justice, Walid Salman. Tout à fait, soutien aux causes justes, à leur tête les causes palestiniennes et sahraouis. Une constante de l'Algérie rappelée par le chef d'état-major de l'AMP en visite de travail dans la 6e région militaire. Le général d'armée Saïd Chengriha a rappelé que l'occupation est une forme de terrorisme, qu'il convient aux hommes libres de ce monde de combattre. Le chef d'état-major de l'AMP est à Tamanrasset pour s'enquérir du degré d'exécution du programme de préparation au combat au niveau des unités de l'armée Cheikh Ibn Zawi. L'Algérie, fidèle à ses principes, se tiendra toujours aux côtés des causes justes à travers le monde, à leur tête les causes palestiniennes et sahraouies. C'est ce qu'a affirmé le général d'armée lors de son allocution. En effet, ce que subissent les peuples frères, aussi bien en Palestine qu'au Sahara occidental, met en évidence les formes les plus odieuses d'abus commis contre les civils, en particulier contre les femmes et les enfants et les personnes âgées, sans aucune considération aux règles internationales les plus fondamentales des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le chef d'état-major de l'ANP a également souligné que, quelles que soient les différences culturelles et géographiques, l'occupation demeure au cœur de l'injustice et des atteintes à la dignité humaine, à l'ombre du silence et de la passivité de la communauté internationale et du soutien de certains médias occidentaux. Il n'en demeure pas moins que la souffrance des deux peuples est similaire à bien des égards du fait que les forces d'occupation s'évertuent dans les pratiques d'oppression, d'injustice et d'autoritarisme et cherchent par tous moyens à souiller et à oblitérer l'identité des peuples occupés et à piétiner leur dignité, employant une politique basée sur les arrestations arbitraires, le meurtre, la famine, le nettoyage ethnique, l'apartheid et l'exploitation illégale de ces ressources, encouragées en cela par des standards à géométrie variable adoptés par les médias internationaux. Il incombe à tous les hommes libres à travers le monde de fédérer leurs efforts pour faire face à l'occupation, où qu'elle soit, en veillant à instaurer les fondements d'une communauté internationale solidaire contre ces violations d'un temps révolu, conclut le général d'armée. C'était le compte-rendu de Cheikh Ibn Zawi. Et justement, les derniers développements à Gaza et le soutien des pays arabes aux efforts de l'Algérie au Conseil de sécurité sur la question palestinienne au cœur du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur qui se tient à Tunis avec la participation de Brahim Red, le ministre de l'Intérieur, qui a insisté sur l'approche algérienne dans le domaine sécuritaire et sa participation à la stabilité de la région sahélo-saharienne confrontée à des menaces sécuritaires dangereuses. L'Algérie, sous la conduite du président de la République, a adopté une approche participative basée sur la coopération et la concertation entre pays voisins et amis face aux défis sécuritaires communs. L'Algérie renforce sa coopération en la matière avec les pays arabes et veille à participer à la stabilité et au développement dans son voisinage immédiat, cela inclut la région sahélo-saharienne. Confrontée à de multiples défis et des menaces sécuritaires dangereuses qui ont amplifié la fragilité de sa situation sécuritaire, faisant d'elle un refuge de groupes terroristes et criminels transfrontaliers
En plus des déplacements et de l'immigration illégale, notamment liée au changement climatique et leurs conséquences. C'était le ministre de l'Intérieur, Brahim Red, depuis Tunis. Nous sommes à J-2 avant la tenue du 7e Forum des pays exportateurs et producteurs de gaz, Walid Salman, qui se tiendra à Alger à partir de ce jeudi. Un événement d'une importance majeure qui réunira les principaux acteurs de l'industrie gazière. Ces derniers représentent, je vous le rappelle, près de 70% de la production mondiale. Cette convergence permettra d'explorer les défis, mais également les opportunités qui façonneront certainement le devenir de cette ressource. Parmi les participants figurent les géants de l'industrie gazière tels que la Russie, le Qatar et l'Algérie. Chacun de ces pays joue un rôle majeur dans la fourniture de gaz naturel à l'échelle mondiale. Ibtihal Adouna. Un événement d'importance majeure qui réunira les principaux acteurs de l'industrie gazière qui représente près de 70% de la production mondiale. Cette convergence permettra d'explorer les défis et les opportunités qui façonneront l'avenir de cette ressource, marquant ainsi une étape cruciale dans le paysage énergétique mondial. Abdelmadjid Attar, expert en énergie. Le 7e sommet est important du fait que le gaz aujourd'hui est devenu un produit, une ressource vraiment stratégique pour la sécurité et l'indépendance énergétique. Donc aujourd'hui, il y a des enjeux non seulement énergétiques, mais beaucoup plus géopolitiques. Le GECF, c'est pratiquement 70% des réserves et même de la production, c'est 1650 milliards de mètres cubes par an. Parmi les participants figurent des géants de l'industrie gazière tels que la Russie, le Qatar et l'Algérie. Chacun de ces pays joue un rôle majeur dans la fourniture de gaz naturel à l'échelle mondiale. Berded Mendouche, expert international en énergie. Le forum, compte tenu du volume des réserves dont il dispose, ce sont des volumes de gaz en conventionnel. Ça va permettre à cette organisation de s'affiner davantage. Ça va permettre à cette force-là de pouvoir s'imposer sur cette ressource et avec les pays clients et consommateurs. Le sommet du gaz représentera alors une plateforme essentielle pour la coopération internationale et la prise de décisions stratégiques visant à garantir un approvisionnement en gaz naturel fiable et durable à l'ensemble de la population mondiale. 7h07, on passe à présent aux annonces, dernières annonces du ministre du Commerce, Walid Salman. Tout à fait. Depuis Boumerdès, nous l'annoncions en titre, le ministre du Commerce a procédé hier à l'ouverture des marchés de proximité au profit des citoyens à 2 semaines du mois sacré de Ramadan. Tayeb Zitouni qui a annoncé une baisse de 10% des produits alimentaires, mais pas que. Je vous propose de l'écouter. Tous les producteurs vont baisser leur prix pour Ramadan. Cela touche les produits alimentaires en conserve, notamment les tomates et d'autres, des baisses de 10%. C'est une nouveauté sur le marché national car on était plutôt habitué à des hausses. Cela est également valable pour l'électroménager, les équipements de cuisson aussi avec des baisses de 10%. C'était le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, qui procédait hier à l'ouverture des marchés de proximité en prévision du mois sacré de Ramadan. A noter également cette réunion d'évaluation de l'approvisionnement en eau potable dans certaines wilayas, une réunion présidée par le ministre de l'Hydraulique, Taha Darbel, l'occasion pour cerner certaines lacunes et prendre les mesures nécessaires pour améliorer l'approvisionnement des citoyens en eau potable. Transition toute faite justement pour rappeler ce ciel particulièrement généreux depuis hier avec des pluies parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vent sous orage qui affectent depuis hier jusqu'à jeudi plusieurs wilayas du pays, à savoir notamment Tlemcen, Ain Timouchent, Oran, le nord de Sidi Blabès jusqu'à aujourd'hui à midi, et des averses qui affecteront également les wilayas de Tipaza, Alger, Boumerdès, Ain Defla, Blida, Médéa, Buira à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi prochain. Vigilance de mise. Tout à fait. Direction la Palestine, Gaza, tout d'abord avec l'Organisation de défense des droits de l'homme basée à Genève qui affirme que l'armée sioniste a transformé un couloir prétendument et par lequel les habitants de Gaza pouvaient se rendre vers le sud en un piège pour tuer ces derniers, déplacer les brigades. Al-Qassam, quant à eux, vise les soldats sionistes à Khan Younes
Suisse, particulièrement en Palestine où le président Abbas a accepté hier la démission du gouvernement Shtayyah. Et sur le front libanais, un avion de reconnaissance, un drone abattu à l'aide d'un missile Hermes 450 par la résistance libanaise appartenant à l'armée sioniste qui a mené hier de nombreux raids sur le Liban. Nous vous lisions au tout début de cette édition, les Sahraouis, autre peuple en quête de son indépendance, célèbrent aujourd'hui le 48e anniversaire de la proclamation de la RAS, la République arabe sahraoui démocratique, une célébration dans un contexte de reprise du combat armé après que l'occupant marocain ait trahi tous ses engagements. Lies Terghini. 27 février 1976 à Bir Lahlou, la République arabe sahraoui démocratique est proclamée. 48 ans plus tard, la détermination à barrer la route à l'occupant marocain est toujours là et les Sahraouis continuent de réclamer leur droit à l'autodétermination. Si la question sahraoui continue de réaliser des succès sur la scène internationale, le dossier reste sur la table des Nations Unies sans grande avancée. Mohamed Siddati, ministre sahraoui des Affaires étrangères. La cause sahraoui ne cesse d'enregistrer des succès, des acquis, elle se renforce, elle avance. En même temps, on le voit bien, il y a une régression de cette politique expansionniste marocaine. Il appartient maintenant aux Nations Unies et au Conseil de sécurité d'assumer pleinement leurs responsabilités vis-à-vis de la décolonisation du Sahara occidental. Les violations marocaines des droits de l'homme se poursuivent dans les territoires sahraouis occupés. Il y a 4 ans, le cessez-le-feu a été violé par le Maroc. Pour les Sahraouis, la lutte armée est une nécessité aujourd'hui. Mohamed Chir, diplomate sahraoui. Le peuple sahraoui est là. Après des décennies de résistance, de combat, le régime d'Imarzen continue d'entraver le processus de paix. C'est pour cela d'ailleurs que le 13 novembre 2020, il y a eu le retour à la guerre. Et le dernier congrès, c'est de donner toute l'importance au domaine militaire parce que ce régime d'Imarzen ne comprend que cette voie-là. Le Front Polisario et le peuple sahraoui mènent également une autre bataille, juridique cette fois, contre le pillage de ses ressources halieutiques et de son phosphate notamment par l'occupant marocain avec la complicité des multinationales. Et une dernière nouvelle, triste nouvelle, le décès de l'icône de la JS Kabylie, ancien international, hier, Larbès nous a quittés après une longue période de combat contre la maladie, Allah yarhamou. C'était là la dernière information de cette édition à 7h13 sur les ondes d'Alger 3. Merci à vous de nous avoir prêté attention.